Bonjour à tous et bienvenue dans PsychoFX, l'émission du taré qui t'explique les effets spéciaux. Alors, je t'arrête tout de suite. Dans le dernier épisode, tu as dit à tout le monde de laisser des commentaires pour qu'ils puissent décider du thème de cette émission. Affirmatif. Et du coup, je voulais savoir si t'as fait ça juste uniquement dans le but de te la péter parce que t'as reçu un paquet de commentaires d'un coup, ou si tu allais vraiment traiter le sujet choisi. Oh, mais reste cool, sac à merde, nous allons tout de suite lire le commentaire choisi. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut reproduire un effet ancien cryptage Canal+. Est-ce possible sans After Effects? Merci. Smiley. Mais oui, Chippy, comme disait Laspalès, tout est possible, tout est réalisable. Une référence à Régis Laspalès. Ta gueule. Le cryptage Canal+, était surtout connu dans notre cher pays français, mais il fait partie de cette espèce de famille d'effets que nous aimons appeler par abus de langage les glitchs. Alors l'énorme panel de glitchs vidéo que l'on peut réaliser est assez limité si on essaie de s'abstenir d'utiliser After Effects. C'est pourquoi je t'invite, Chippy, à te rendre sur le site datamoshing.com si tu as envie de tenter l'aventure sans After Effects. Donc pour notre effet de cryptage Canal+, rien de plus simple, il suffit de charger notre rush dans une nouvelle composition et d'utiliser une animation prédéfinie dans le menu Animation, utiliser l'animation prédéfinie. Puis ensuite, il suffit d'utiliser l'animation prédéfinie, mauvaise TV3, signal faible. Voilà, terminé. Bon, le problème, c'est que là, c'est de la branlette, donc je vais vous montrer comment créer vos propres glitchs. Et bien évidemment, deux solutions sont possibles, une avec plugin et une autre sans plugin. Sans plugin, nous allons nous intéresser à deux effets déjà intégrés dans After Effects qui vont vous permettre de créer vos propres glitchs de manière assez simple. Le premier va nous permettre de simuler l'apparition de macro-blocs sur la composition et le deuxième va nous permettre de simuler la séparation des canaux rouge, vert et bleu, comme vous le savez, les trois couleurs qui permettent de coder des vidéos sur un ordinateur. Et pour cela, chargez n'importe quel fichier vidéo dans une nouvelle compo, puis créez un calque d'effet, insérez-y l'effet qui se trouve dans le menu Effet, Déformation, Loupe. Changez la forme de la loupe en carré, montez la taille de la loupe jusqu'à ce qu'elle remplisse le calque intégralement et changez le mode de transfert en aucun. Puis ensuite, à la main, changez la taille du calque à votre convenance et amusez-vous avec le calque. De ce côté-là, vous êtes vachement libre. Ce qui donnera un peu plus de peps à l'effet, ce sera de dupliquer le macro bloc qui est dans le calque que l'on vient de créer, le décaler et lui faire changer de taille en boucle. Et maintenant, écartons les couleurs. T'es vraiment sale. Une fois qu'on s'est bien éclaté avec les macro-blocs, nous allons sélectionner tous nos calques et aller dans le menu Calque Pré-composition. Nous précisons que nous migrons les attributs vers une autre composition, puis nous dupliquons cette pré-composition fraîchement créée trois fois. Puis nous allons appliquer à ces trois calques le même effet en allant dans Effet, Correction colorimétrique, Colorama. Nous allons utiliser un pré-réglage dans cet effet Colorama dans le cycle de sortie pour ces trois calques. Choisissez individuellement les réglages de dégradé rouge, vert et bleu. Puis ensuite, changez pour ces trois calques le mode de transfert en addition et décalez les calques de quelques pixels sur la gauche ou la droite. Cet effet est assez simple, mais vous pouvez innover en faisant trembler les calques et en les animant à la main pour que l'effet soit encore plus saisissant. Voilà pour nos effets de glitch. Alors bien entendu, ce sont des manipulations qui sont assez lourdes et si on doit traiter plusieurs compositions, ça devient très rapidement répétitif. C'est pourquoi j'ai quelques plugins à vous recommander si vous souhaitez aller plus loin. Le premier est Data Glitch 2, un plugin vachement intuitif qui vous permettra littéralement de reproduire tous les effets que nous venons de faire. Assez intuitif et simple et extrêmement compact étant donné que tous les réglages dont vous avez besoin tiennent dans un seul calque. Les autres effets que j'ai à vous recommander sont dans la suite de plugins DigiEffect Damage. Plus cher, mais également plus détaillé, étant donné que l'ensemble des glitches sont séparés dans plusieurs effets que vous téléchargez tous d'un coup. Le plus pratique étant selon moi l'effet Artifact, qui permet de générer les macro-blocs assez facilement et de générer des espèces de dégradations assez sympathiques sur vos vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de PsychoFX, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, comme vous avez probablement pu le constater depuis ce début d'année, je poste de plus en plus rarement des vidéos et c'est de pire en pire en termes de rythme. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est tout simplement parce que PsychoFX, c'est une émission qui est extrêmement lourde à réaliser. Il y a beaucoup de travail en post-production, il y a beaucoup de tournage, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et au final, vis-à-vis de la qualité que ça représente, il y a de moins en moins d'amusement de mon côté et il y a de plus en plus d'attentes pour vous. C'est pourquoi je vous annonce donc aujourd'hui que PsychoFX va sortir encore plus rarement qu'aujourd'hui parce que j'ai un autre projet que j'ai envie de mettre en place sur cette chaîne
et qui en fait ben, revient un petit peu aux origines de la chaîne. Il faut savoir plusieurs choses, c'est que beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo, j'ai achevé mes études et je suis désormais en CDI en tant que chef de projet dans le domaine du digital. Donc mon emploi du temps est extrêmement chargé et le temps de libre que j'ai, j'aimerais bien le consacrer à des vidéos sur YouTube et j'ai de plus en plus envie de m'amuser sur YouTube. Donc je vous le dis, j'ai préparé un épisode qui sortira bientôt de Psycho FX sur l'équipement de tournage que je compte sortir, ne vous en faites pas, dans le courant de l'année 2018. J'ai tourné avec des amis quelques séquences qui sont très lourdes en post-production et il me faut du temps pour les travailler. Donc ça sortira l'an prochain, mais en attendant, je vous annonce aujourd'hui que je vais recommencer des vidéos facecam humoristiques, donc des formats très courts qui sortiront sur une base un petit peu plus régulière sur ma chaîne, histoire de maintenir un petit peu plus l'éveil de cette chaîne YouTube et histoire que je m'amuse un petit peu plus à les réaliser, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine des films ou dans toute chose qui, dans la vie actuelle, me passionne. Et j'espère pouvoir sortir ça très bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu en tout cas le projet Psycho FX. Merci à Shippy qui a en fait publié le commentaire qui fait que cet épisode existe. Et aussi, je voulais profiter de cette fin d'épisode pour vous annoncer que désormais mes vidéos YouTube sont également publiées sur Facebook, donc directement dans un player Facebook, sur ma page Facebook, que je vous invite à liker. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. C'est très important pour moi et c'est aussi important pour vous, histoire que vous ne loupiez pas une vidéo sur YouTube, étant donné que ce petit saligo sucre quelques abonnements, quelques vidéos de vos flux d'abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir du contenu qui vous plaît. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut !